On se retrouve. On se retrouve sur la chaîne Gazerton Metaverse pour la visite de Crypto Arcade, qui est un espace Gazer qui existe déjà depuis un petit moment. Il est tout en anglais et il est consacré en partie, enfin, en grande partie aux NFT. Cette partie-là, Crypto Arcade, est plus spécifique aux jeux vidéo. Donc là, vous avez les consoles pour jouer dessus directement. Ici, je ne sais plus ce qu'il y avait. Ah, c'est le plan. Ouais, c'est un... bah, c'est le plan. Le créateur de cet espace a maintenant un métavers qui est assez grand. Donc, je pense qu'il a réparti ça en différents espaces, de ce que j'ai compris. Là, c'est leur, oui, c'est leur Discord. Oui, puisqu'ils ont, donc c'est un NFT. Ils ont un DAO qui s'appelle Harmony, je crois. Les DAO en NFT, c'est, en fait, c'est des communautés qui gèrent des NFT. Et on peut se loguer via un compte Google pour bénéficier de différents avantages qui sont décrits quand on existe. Ici, quand vous avez un casque VR, vous avez la version de Crypto Arcade en 3D. Là, des deux côtés, vous avez des salles de jeu. Ici, voilà, vous pouvez vous poser, puis vous avez des jeux d'arcade encore. Enfin, pas que d'arcade, des émulateurs. Des émulateurs de jeux. Ici, pareil. Et de quoi vous poser et jouer à plusieurs. Là, c'est des panneaux concernant les événements, je crois. Et ici, donc, alors, on a un escalier qui descend. Ah oui, on y reviendra tout à l'heure. Ah ben, on y est déjà. Bon, ben, tant pis. On va visiter. On va faire un tour. En fait, ça, c'est une partie de ce métavers qui est consacrée. Ouais, enfin, c'est une petite visite dans les différentes thématiques de jeux d'arcade rétro gaming. Donc c'est assez sympa. Il y a différentes entrées possibles. Bon, à chaque fois, de ce que j'ai compris, il y a de quoi. Une vidéo ou de la musique. Ouais, ça. Donc là, je suis arrivé au bout, mais je suis pas arrivé. Connaissent un peu, peut-être reconnu les différents jeux des époques. Bon, là, je reconnais, c'est Donkey Kong. Là, je connais pas. Là non plus. Non, on n'accepte pas aux vidéos. Mais bon, comme ça doit être, sans doute des vidéos hors pays. Alors, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à les voir. Là, c'est un jeu. Ah, c'est des copies d'écran, hein, mais c'est sympa, on peut s'y déplacer et retrouver l'ambiance de l'époque. Alors là, on doit pouvoir descendre, c'est ça. Différentes maps à voir. Tiens, celle-là, je la connais pas. Ah, c'est sympa. D'accord. On va aller voir. On va prendre le temps dans cette vidéo de visiter un peu. C'est vaste, hein, il y a de quoi faire. Alors, il n'y a pas souvent beaucoup d'avatars, sauf quand la communauté se réunit pour des conférences. Connecté, là, vous voyez, je suis seul connecté. Il est presque 22h. Ah, où est-ce qu'on est? On
Je suis pas gamer moi, de formation, donc ceux qui sont de l'univers du jeu vidéo vont peut-être plus s'y retrouver. Je teste les portes parce que on peut un peu se balader partout. Est-ce qu'on peut changer? Je crois que j'arrive au bout. Non. Ah oui, là c'est un jeu, ouais. Simpson. Il y a un jeu sympa dans les jeux d'arcade justement. Je crois que ça se termine là. Je ne sais pas comment on tourne au début, mais sinon je vais utiliser une touche pour le faire. Est-ce que je vais réussir à la lire cette vidéo? Ah, ici. Ah, c'est bizarre, il n'arrive pas à lire les vidéos. Bon, après, ça dépend des navigateurs. Hein, suivant à quel navigateur vous loguez. Ah, ça y est, je suis revenu. Donc ça c'était là, et ici voilà, on a une galerie de vidéos, voilà, d'artistes, puisque voilà, le fondateur du site aussi explique qu'il héberge des artistes aussi, dans le métavers. C'est là qu'ils font les mini conférences crypto arcade. Voilà. On a fait le tour de l'espace proprement crypto arcade. Quand on sort de la maison, on arrive dans un autre espace, mais qui est géré par le même fondateur, qui s'appelle Nostalgia, qui est une ville où on retrouve beaucoup de gens qui fabriquent des NFT, de ce que j'ai compris. Voilà. Voilà, blockchain, tout ça. Voilà. Tout le monde veut en être. Donc, alors ici, je vous conseille, on va pas y aller parce que sinon ça va jamais finir. Et la petite maison là, arc-en-ciel, c'est une artiste américaine, je crois, qui expose ses œuvres. Et c'est assez sympa ce qu'elle fait. On n'est pas dans les espèces de singes cyberpunk. C'est déjà du NFT un peu plus chiadé, comme on dit. Voilà, donc là on est dans une autre partie de la carte. Donc il propose d'héberger, je pense, aussi, puisqu'il commence à y avoir des gens qui ont accès, qui ont leur propre espace. Hein. Celui-là, j'ai pas été encore le voir, je ne sais pas ce que c'est. Galerie, comme ils sont, c'est pas encore ouvert, c'est une galerie OpenSea, donc c'est du NFT encore. Village du Ticker, je crois que c'est pas ouvert encore. Voilà. Encore beaucoup de choses en travaux. Ça c'est plus sympa. Je pense pas que c'est un hébergement, c'est un truc d'ambiance. Ouais, c'est un petit bar avec un chat. C'est assez sympa pour se poser. Le barman, c'est une espèce de chat humanoïde. Tout là-haut, vous avez de mémoire, il y a la salle de conférence du DAO, Harmonie. Là, c'est Bird. C'est quoi? Ouais, je crois que c'est une expo d'artistes en 3D. Puisque les métavers sont tous interconnectés. Donc là, on est dans un métavers 2D. Même moi, sur le métavers, quand je peux, je fais des ouvertures vers les métavers 3D hein, qui sont paradoxalement plus anciens que les métavers 2D. Voilà, cette partie là je n'avais pas encore visité. C'est quoi cette petite maison? Je ne sais pas si on peut accéder encore. On va en faire le tour. Ah, c'est bon, j'arrive pas à aller dedans. Ah si, ah, tiens, on va aller voir. C'est pas du tout où je vais. Pas du tout
si on reste. Ouais, on est toujours dans Nostalgia, puisque je vois. Voilà. Ah bah c'est une maison vide. Bon, bah on a à peu près fait le tour. Bon, c'était surtout Crypto Arcade que je voulais vous faire découvrir. Donc j'ai un portail pour la rejoindre dans Cultima Academy, le métavers des cultures d'imaginaire, dans le musée des jeux, où il y a un portail de téléportation. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures métaversales. Ciao, bon été, je pense pas qu'il y aura de vidéos d'ici au moins une bonne quinzaine de jours. À bientôt.